Bonjour, bonjour, bonjour tout mes lovis, comment nous y est? Moi souhaite que nous en forme, moi souhaite que nous bien. Bonsoir, bienvenue, bienvenue, bienvenue à tous nos nouveaux subscribers, yo, bienvenue. Nous même qui t'es là déjà ici, c'est la caille, nous qu'on salue déjà. Et si vous regardez vidéo, c'est que vous aimez ça me faire. Si vous aimez ça me faire, c'est pour like vidéo et puis partager avec on le monde. At least bon, 100 likes. Comprendre 100 likes les constats en pile moun après vidéo et puis les ça YouTube après c'est pas des robots gain sous page là c'est des moun sérieux OK des moun sérieux je dis on va montrer nous comment pour nous faire un autre gâteau avec figue mûre et puis n'a mettre en balade bagay yo modifié ici on va montrer nous comment pour nous faire décoration juste montrer nous comment pour nous mettre saveur dans gâteau nous parce que gâteau pas seulement gâteau vanille gâteau vanille gâteau vanille gâteau cerise gâteau vanille gâteau fur renversé gâteau ka gen en pile saveur c'est qu'on est pour qu'on est comment et puis essayez l'en pile fois jusqu'à ce que j'ai un résultat parfait. So pour commencer avec gâteau banana avec mamba déjà gen un tas sucre dans bol moins comme à l'ordinaire et là m'a ajouté demi-tasse d'huile végétale dans sucre là. L'aime fin ajouter demi-tasse d'huile végétale dans sucre là, connait m'a ajouté toute épice moi. Là m'a mettre un petit cuillère caramel. M'a même mesurer dans qui est m'a contrôler le sousième. Y a un petit cuillère cannelle. Et puis m'a mettre un petit cuillère muscade, y a un petit cuillère zeste de citron, y a un petit cuillère girofle. OK, pendant que moi fin ajouter tout épice doucement yo qu'on y va mettre 3 cuillères mamba. Ouais, ça c'est beau calme mamba. M'a mettre 3 grandes cuillères mamba là-dedans. Et gâteau ça pas fait avec œufs. Et puis m'a ajouter 3 4 tasselettes. There we go. 3 tablespoons of peanut butter. Sou pa gen mamba ki tellement fin 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 kon sa, ou ka mete mamba ki pa trop fin, le kon sa la bien ti moso la dan, kon ale moun manje, la bon texture. Paske li pa vin trop swa, mais wap senti ti grain pistachio, et puis wap kale yo. La map nettoye kuye mwen avec spatule lan. OK, l'aim fin mettre ça avant mixer, m'a préparé ingrédients sèche. Et puis là c'est farine, moi m'a gagne 2 tasses farine et demi. Dans 2 tasses farine et demi, m'a pas ajouté 2 petits cuillères pour d'élévation, baking powder. M'a pas ajouté 2 dans farine là. Et puis m'a boissé, mettre le de côté. Voilà, ajouter un petit pincée de sel dans la farine. Parce que la figue mûre est déjà douce. Plus mon bas, ça me vient là, c'est un mon bas qui est douce. Plus que m'ajouter un tas de sucre. So, faut mettre un petit pincée de sel pour balancer le sucre. Là, pour ça capable marcher. Je vais mettre ma mesure sous yeux et son bas. Celle que m'a ajouté c'est un pink Himalayan salt. Et puis là, m'a mettre le de côté. Et puis m'a prendre même bol ça là. On va préparer 2 graines figue mûre. On va mettre 2 à 3 graines figue mûre. Figue mûre ça on déjà lavé yo. M'a juste calé yo. Et puis m'a ajouté dans bol là. Et puis mâcher m'a crasé. C'est un gâteau figue mûre. Et si vous voulez connaître comment te faire un premier gâteau avec figue mûre là, les sous page là, juste cliquez dans bouton de recherche ou cherchez pour gâteau avec figue mûre. Ou bien banana bread et puis
ou ap jwenn resèt lan la, ou kapab suiv li. Paske sa ou se de resèt diferan yo. So kon ya m pral ajoute yon lot gren figmi, paske li mande 4 gren figmi, but mien 2 map ajoute 3 map mette tout 4. So gen yon potato smasher, ou ka krasi figmi yon avèl, ou ka krasi figmi yon avèk yon fouchèt. Men mwen menm gen gwo kuyè ajou sa, so map krasi figmi yon avèl. Ok, la m fin krasi tout an figmi yon, epi kon ya m pral boase. Man ba avec l'huile là avec sucre là ensemble et puis m'a va ajouter essence là la dedans OK konya m'a vider figmi là et puis m'va ajouter 3 grandes cuillerettes la dedans après ça mettre farine En foule. Gen. Let tansyon. Un. Deux. Trois. Trois ki yon let. Et puis ou boise. C'est comme ça qu'on commence à ajouter farine. En première partie. On va bien mettre un petit jean vraiment épais. On va ajouter l'autre partie. Oh! On va prendre ça en bas qui est embaumé. Ok, metten mwen, toujours chauffer four à 350 degrés, ou ap kuit li pour 45 à 55 minutes. Kon sa tout, l'on inserte on cul dans la dan, ou li paraît un petit jan mouye toujours, das min li poko kuit, ou ka bal un petit extra l'heure. So, nan map mette lan pen nan, ou ap wèl vraiment épais. Il sent si bon les goûts. Nous pas obligé à demander gâteau vanille tout temps, gâteau cerise, gâteau chocolat. Qui en pile l'autre gâteau que nous ka changer saveur nous, comprenez? Changer saveur nous. Pas prendre même bagarre là tout temps. Essayez nouveau saveur papier ça ouais mettre là dedans ça son papier de cuisine que lié ou ka jwenn dans tout store qui vend supply pour gâteau et même supermarket yo tout ou jwenn ni là dedans yon papier comme ça li rele papier ciré en français Anglais a dit wax paper, li fait spécialement pour le faire pâtisserie pour capable mettre bagay dans four. So kon y a m'ap juste ranger dans papier. Amin, nat dans papier. Dans pen m'ap fait égal. Parce que kon est un petit jan épais pour les lever pour tout nan ka même hauteur. Timo so sa wè, timo so figmi yo. Oups, my bad. I almost knocked the camera over. Oh, Jesus. Okay, here we go. Sorry, people. M'ap continue me fè l'even toujou. Because it's not even. Et voilà. On that side. Ok. Li pwè pou anfounen a tout à l'heure.
mes gâteaux figuent avec ma bar. Li senti bon. Konye ma pweti parchment paper an sou li. Look at this. Just gorgeous. Oh! Et voilà. Mba l koupe, le pi mba testè sa. Ouè? Oh, sa tellement senti bon. Se pati bon. Mba. Here you go. Mba jem ka koupe an yon doat. Ki sa pou bata reme? Patisri son bel bagay ki plen invensyon la dan. Ki sa pou bata reme? Look at this. So, bam goute pou m bon ti testes. Ma pren la menm fwa sa paske yon telman chou. So delicious. So delicious. So, en tout ka, mersi a tout moun ki te kontan tap gade videyo a. Pon lòt videyo, se va byento. Bye bye.